Ça va? Très bien. Comment vas-tu, Violette? Très bien. Oh, ça y est, je suis fatiguée. Fin de journée. Fin du cours. Ah, salut à tous. Bah, bienvenue pour la... C'est la combien? C'est la quatrième? Ou la cinquième? C'est la cinquième, oh là là. Bienvenue au cinquième cours. Donc, aujourd'hui, excuse-moi, peut-être que tu voulais dire quelque chose, non? Non, ok, d'accord. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais envoyer un message à Violette, donc au ou à la partenaire, d'aller soit en avant pour moi, en arrière ou latéral, gauche ou droite. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que quand je décide d'aller vers moi, en arrière, c'est mon psoas qui va donner l'information. Donc, ici... Hop là. Ensuite, quand je vais aller vers Violette, vers le ou la partenaire, du coup, là, c'est mes fessiers qui vont rentrer en... Et je vais faire comme si je chutais en avant. Donc, du coup, c'est ça qui va donner le message à mes bras qui, eux, vont donner le message à Violette. Donc, ici, hop. C'est bon? Oui. Très bien. Ok. Pour aller dans la direction latérale, donc au niveau des obliques, donc on va tourner dans le sens de la direction où on veut aller. Donc ici, légèrement, mais il ne faut pas que ça se voit, hein, faut pas que ce soit trop exagéré. Donc c'est vraiment, hop, comme ça. On fait le léger mouvement et on part. Donc on fait vraiment, on fait pas totalement attention qu'on ne se rend pas trop compte que ça bouge à ce niveau-là. Donc voilà, donc hop, ici... Ici, je vais tirer un petit peu le bras. Ici, je vais relâcher l'autre bras. Et donc, quand je vais partir de l'autre côté, cette fois-ci, rotation vers ma droite. Et ici, c'est le bras qui va tirer, bien sûr, et celui-là, relâcher. Donc, on tourne d'abord et après, on se déplace. On tourne d'abord et après, on se déplace. On tourne d'abord et on se déplace. On tourne et on se déplace. C'est bon ? Parfait. Donc, on va se mettre en application. On fait pas le mouvement que j'ai fait là, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Focus, Daniel, focus. Tu me mets un coup de pied si je fais une erreur. Hein. J'ai l'impression que tu allais me le donner. Là. Ah, exact. Oui, là j'ai fait l'erreur de d'abord faire bouger, de faire le mouvement avant de donner le signal. Donc c'est d'abord on donne le signal et après on bouge. C'est ça, c'est bien ça? Oui, oui. Ouh, j'apprends bien. Allez, hop. Donc du coup, ce que j'ai appris aujourd'hui de Violette, c'est que cette technique-là, c'est le secret du tango, on va dire. C'est comment savoir se déplacer, comment faire en sorte que le mouvement soit plus fluide, qu'il soit un petit peu moins beginner, un petit peu moins débutant et un petit peu moins... voilà, un petit peu moins comme je faisais au début. En tout cas, j'espère qu'avec ces conseils, avec cette technique-là, ben, j'espère que mes mouvements vont être plus jolis par la suite. Enfin, non, j'espère pas, ils vont être plus beaux par la suite. Je vais tout faire pour, en tout cas. En tout cas, ben, on vous dit à la prochaine, on vous dit à demain pour le sixième cours cette fois-ci. Salut, à demain, Violette. À demain.